va. De la réalisation d'un disque. Eh bien, là, on vient de voir le dernier stade. Je crois qu'un disque, ça commence par un choix de morceaux, un choix de bons morceaux. Et pour les choisir, on fait ce qu'on appelle des maquettes, c'est-à-dire une sorte de brouillon. Et puis ensuite, alors, on décide d'enregistrer le définitif. Et là, ça se passe en deux parties. On fait une prise de son, depuis la batterie, depuis la rythmique jusqu'à la voix. Instrument par instrument souvent, et puis ensuite la deuxième partie c'est le mixage, on reprend tous ces sons, on les travaille et on fait la bande définitive qui va donner ensuite le disque. Combien de temps met-on pour faire un disque? Alors, pour faire un disque c'est variable parce que ça dépend en fait du budget de la maison et de l'artiste qui viennent au studio, mais je crois qu'on peut dire qu'en gros c'est 3 jours pour un 45 tours et puis une quinzaine de jours pour un 33 tours. Il y a un an, combien enregistrez-vous de disques? Alors, donc nous on en fait 2 ou 3 par mois au studio. Mais je voudrais dire que pour le disque de Gilles Pujol, là, qui a été suivi par l'ingénieur du son qui s'appelle Georges Beau, on n'en fait pas beaucoup des comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé, on a suivi le disque depuis les maquettes jusqu'à la fin, et des disques comme ça, on se donne pour objectif d'en faire 2 ou 3 très bien dans l'année. Et sinon, comment fait-on? Sinon, pour les autres, non, on s'occupe bien d'eux aussi, on ne les laisse pas tomber, c'est pas ce que je veux dire. Mais si vous voulez, bon, il y a les gens qui viennent en tant que clients au studio, mais là, pour M. Pujol, on est également éditeur, donc on s'est intéressé, on a un petit peu fabriqué les choses avec lui. Voilà. Mais maintenant, on va vous montrer des images du mixage de l'enregistrement d'un disque. Oui, alors là, vous voyez le preneur de son, Georges Beau, dans son atelier magique, si vous voulez, avec la console. Alors là, et il règle un élément, parce qu'on commence toujours par la batterie. Et là, il règle le premier élément de la batterie, qui est la mostesse. C'est ce que vous entendez. Là, il ajoute la caisse claire. Chaque bouton, si vous voulez, correspond à peu près à la piste d'un instrument. Mais en fait, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques très sophistiquées. Vous voyez les équaliseurs, là. Et cette caisse claire qu'on entend, en fait, elle est prise plusieurs fois avec des sons différents, des échos différents. Et sur le disque de Gilles, elle est même montée à l'envers. C'est ce qui donne un son plus bizarre. Alors, chaque élément de batterie, vous voyez, est traité. Alors là, vous voyez, il étudie, parce que ça se fait pas très vite, il étudie le son qu'il va donner à chaque élément de la rythmique. Et ensuite, il va ajouter le reste à la guitare électrique, la basse. C'est aussi un peu un artiste, si vous voulez. C'est pas seulement un technicien, c'est l'artiste supplémentaire qui fait que les musiciens vont avoir une bande complètement travaillée et bien fournie.
ça et ça va donner le résultat final qu'on a entendu au début de l'émission. Pourquoi avez-vous choisi le rock? Le rock, c'est une façon de vivre, c'est aussi une façon de penser. Quand on pense et quand on vit rock, on fait du rock naturellement. C'est le rock qu'on choisit comme musique. C'est une naturellement. Est-ce votre premier disque? C'est mon premier disque, oui. Quelle impression cela vous fait? Ce n'est pas un choc extraordinaire de faire un premier disque parce que la démarche est très longue. D'abord, il y a beaucoup de problèmes avec les maisons de disques qui, bien souvent, refusent des maquettes, n'accordent pas de budget. Les maisons de disques font tout pour mettre des barrières dans les gens des musiciens. C'est très très long. Alors quand ça arrive, ça a toujours été plus ou moins préparé. C'est presque normal qu'on fasse un disque au bout d'un certain nombre d'années. Ça fait quand même plusieurs années que j'essaie. Avec l'aide de Pierre-Marie et de Georges. Depuis quel âge faites-vous de la chanson? Alors, depuis l'âge de 16 ans à peu près. J'ai écrit mon premier morceau à l'âge de 16 ans. Pouvez-vous chanter votre chanson? Ah, sans problème, même avec plaisir.